Rebonjour tout le monde, c'est Solarius pour la partie 38 du coup de mon Let's Play de Lego Star Wars, la saga complète. Donc on a déjà fini l'histoire en mode hardcore, je le répète, et là, eh ben, on va plutôt explorer les easter eggs, etc. en mode détente. Et donc collecter tous les collectibles, c'est-à-dire les mini-kits, les briques rouges, les trucs du... tout ça. Vous voyez d'ailleurs qu'en entrant devant un chapitre, on voit en résumé notre avancée dans la complétion du jeu. Et donc aujourd'hui on s'attaque au chapitre 2, l'invasion de Naboo. Ah oui, attendez. Ah, je peux pas... bon. Je libre et on va prendre Leia Jedi. Et franchement, elle a la classe, franchement. Ouais, j'aime beaucoup. Alors pour rappel, si vous n'avez pas suivi l'épisode précédent, Leia Jedi, c'est un personnage que j'ai créé hein, avec l'éditeur de personnages. Ça y est pas à l'origine. Alors là, je vais beaucoup utiliser la force sur toutes les petites fleurs comme ça, parce que bah, non seulement il y a plein d'easter eggs, genre là, un talkie-walkie qui est dans le... Bah, dans les feuillages. Mais en plus, si ça se trouve, il y a des trucs importants qui sont cachés dedans, donc... on va faire ça. Aïe. Parce que les jeux Lego, c'est aussi beaucoup ça, c'est fouiller les trucs, parfois pas toujours évident. Alors ça, par exemple, je sais pas du tout à quoi ça sert. Ah si, je sais. En fait, ça, c'est pour fabriquer un promontoire, et du coup, on va pouvoir tirer dessus avec un Mecha Blaster, et ça fait apparaître un mini-kit. Alors oui. Un truc énervant sur les droïdes, ils ne peuvent pas esquiver. Ça, c'est assez agaçant quand vous jouez avec eux. Bah non, prendre, simplement. Voilà. Un mini-kit. Alors voilà, là, il y a un verre en or dans les plantes. Voilà, arrêtez de me tirer dessus. Puis franchement, ça fait du bien de rejouer à ce jeu en mode détente, parce que c'est vrai que le défi, franchement, il est intéressant. Je pense que c'est un truc à faire, mais... le défi, il est pas évident, quoi. En tout cas, pas reposant. Oula, mais c'est qui donne des pièces cet arbre là quand on le frappe. Ah oui, j'ai oublié d'activer les extras, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Parce qu'en fait j'enregistre beaucoup ces épisodes à la suite, mais je suis obligé de quitter le jeu pour... attendez, non. Je suis obligé de quitter le jeu pour enregistrer l'audio, donc... alors, bascule supplémentaire... Donc du coup à chaque fois je dois remettre les extras si je veux les avoir. Voilà. D'accord. C'est aussi un truc que je me suis dit. C'est que dans le premier jeu, bah, je crois que je vous l'ai dit dans l'épisode précédent en fait d'ailleurs. Bon. Dans l'épisode précédent, donc je disais, les mini-kits sont beaucoup moins bien cachés dans ce jeu-là, qui est le tout premier sorti, que dans le suivant, qui sera la trilogie originale, donc avec les épisodes 4, 5, 6, où là, ils auront fait plus d'efforts pour cacher les mini-kits. Ah ! Oula ! Vous voyez pourquoi j'utilise pas en mode histoire cette attaque, c'est parce qu'elle est vachement puissante et que ça anéantirait un peu tout le challenge, quoi.
Alors là, on n'a pas apparemment de bascule vraiment supplémentaire. Et oh là! Ah oui, je voulais revenir à l'infini si on... Ouais, donc il faut faire exploser le réacteur du... Enfin, le moteur du truc. Pour les empêcher de revenir. Voilà. Là, on voit que le jeu baisse en FPS à cause des pièces à afficher. Ah, mais laisse-moi. Ah bon. Ok, j'y... Ça, c'est typiquement le genre de passage qui est plus facile à deux, parce que bon, à deux, il y a un père... quelqu'un qui s'occupe des droïdes et quelqu'un qui s'occupe de la force sur les fleurs. Là, comme j'ai pas la chance d'être à deux... Oh bah. Bon. Bon, en fait, j'ai l'impression qu'il n'y a pas grand-chose dans les fleurs, mais bon, faut fouiller, quoi. Faut fouiller. C'est vrai, ça c'est un mini-kit qu'on peut ne pas trouver... facilement, quoi, parce qu'il est bien caché. Détruire le truc qu'on vient de détruire, c'est pas toujours un truc qui vient à l'esprit. Voilà. Ah, mais. Crevé! Et continuez ma route sans moi, voilà. Enfin, continuez votre route sans moi, voilà. Bon, bah au moins vous le saurez, je pense qu'il n'y a rien de caché dans les fleurs. Ah, j'ai peut-être aller trop vite. Oh! Un machin de vélo, un cadre de vélo. Comme quoi on nous fait croire que les indigènes ils sont proches de la nature, etc. Mais bon, ils foutent quand même des cadres de vélo dans les plantes, alors bon. Ah. Mini-kit. Alors celui-là, je crois qu'on peut le récupérer. Déjà dans l'histoire. Sachant que je sais pas... Ah, dans les fleurs peut-être. C'est là qu'on trouve la réponse, des fois. Ah, voilà. Si vous voyez, finalement, il y a bien quelque chose de caché dans les fleurs, hein. Il faut les faire la force dessus. C'est pas toujours une mauvaise... Enfin, une mauvaise idée. Voilà, je crois que j'oublie rien. En disant, si j'oublie rien, on le verra bien vite. Hein. J'attellerai une vidéo à côté pour faire la correction. Un tableau de Jar Jar qui va faire un pont. Alors. Voilà. Ah oui, alors attendez. Oui. Bon, là c'est le déroulement normal du jeu en fait. Alors là on a un panneau de chasseur de primes, voilà. Alors c'est pour ça que j'ai acheté Zamouizel, c'est parce que c'est une chasseuse de primes. Et donc elle peut activer ces panneaux là. Et aussi elle est pas chère. Les chasseurs de primes sont souvent chers, hein, dans la boutique de personnages. Pas autant que les... Alors les mages noirs, non ça c'est dans Lego Harry Potter. Pas autant que les sites mais... Ah, la brique rouge. Top.
Oui, alors, les Senior Seeds, c'est le. C'est dingue, hein, le prix qu'ils mettent. Alors là, bah, le mini kit, il est franchement facilement accessible, hein, quoi. Y a rien à faire. Vous prenez Jar Jar. J'ai encore failli me rater à ce saut, quoi. C'est. Oula. Je crois qu'on n'a rien oublié ici, même si 5 mini-kits sur 10, ça me semble un peu faible. Oui, 5 mini-kits sur 10, ça me semble beaucoup trop... Ah non, voilà, il y a encore une zone intermédiaire, oui. C'est bon, tout va bien, tout se passe comme prévu. Alors là aussi, hein, le mini-kit gratuit, quoi. Ça, c'est peut-être un défaut de LEGO Star Wars premier du nom. Et c'est vrai que la trilogie originale corrigera beaucoup mieux ça, hein. Il y aura beaucoup moins de mini-kits gratuits, entre guillemets. Je sais quoi, je vais prendre quelqu'un avec un laser. Attends, toi, tiens. C'est en faisant ça quand même que je me dis que le... J'ai vraiment bien joué, hein, pour finir le jeu sans mourir. Enfin, sauf les bugs et autre chose, mais bon. Et quelques petits trucs où j'ai abandonné aussi. Alors oui, Anakin Skywalker, c'est un peu une particularité parce qu'il a des jambes d'adulte, mais il est considéré comme un enfant. Alors je sais pas, c'est un petit bug, c'est pas forcément intuitif. Il est considéré comme petit, quoi, donc c'est pas forcément intuitif. Oula, oula, casse-toi. Parce que généralement, les personnages petits, c'est ceux qui ont des petites jambes. Mais Anakin Skywalker arrive à être petit sans... sans avoir de petites jambes. Alors, oui. Donc là, on a un nouvel élément de gameplay, c'est, vous savez, les chasseurs de primes, ils ont ces machins-là. Ce sont des détonateurs thermiques. Et qui peuvent vous permettre de briser les Lego argentés. Et voilà. Ah tiens, d'ailleurs, je n'ai pas encore eu le vrai Jedi, donc on va l'avoir maintenant. Alors là, il me faut un jeudi, voilà. Alors non, pas exactement, il va falloir que je me mette là. Et là, il va falloir un droïde astromécano. Voilà. Oups, attendez. Avant, je vais prendre la pièce, voilà. Voilà. Et là, on devrait avoir... Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe? Bah, on aurait pas dû avoir un mini-kit, là? Ah, bizarre. Bien, je pense qu'il devrait y avoir un mini-kit quelque part. Ou la, non, la brique rouge, j'en ai déjà eu, mais... Ah. Alors là, je vous avoue que je suis perplexe. Hein. Parce que faire une énigme comme ça pour seulement 2000 pièces, ça me paraît... Ouais, bon. À moins que ce soit aller dessous, mais non, je pense pas, parce que si c'était juste aller dessous... Ah, j'avoue que je sais pas trop si on manque quelque chose, là, mais bon. Allez. Ah, tiens, je vais profiter que je suis sous bonus pour...
Alors voilà encore un mini kit gratuit, franchement. Il va falloir que je prenne Jar Jar. Voilà. Et donc on est à 8 mini kits sur 10. Je pense qu'on va tout avoir. Alors oui, là c'est une énigme très simple, il suffit. Non. Ah oui, alors là, c'est une énigme très simple, mais ces droïdes ont compliqué un peu la tâche. Là, il suffit d'empiler les machins dans le bon ordre pour faire une statue, et ça fait pop un mini-kit. J'espère que c'est pas le seul mini-kit de la zone, parce que sinon, bah, ça veut dire qu'on en aura manqué un. Comme d'habitude, hein, on utilise juste la force sur les machins pour être sûr qu'il y a... Il y a rien de caché dedans. Ça marche aussi la force pour bien... Ça marche bien la force sur les druides de manière générale. Et je pense que j'ai oublié un mini-kit, hein. je n'en ai pas trouvé un. Ah c'est le jeu, de toute façon je vais le recommencer puis je vais vous couper la vidéo au moment où je le recommence, puis je vous mettrai juste le moment où je l'ai trouvé. Non, je suis quasiment sûr que je l'ai pas eu, vous savez, à l'endroit qu'on a défoncé avec le détonateur thermique. Je suis quasiment sûr que c'est... Ah bah remarquez, on peut venir revenir sur les pas aussi. Alors ouais, là j'avoue que je suis bluffé en fait. Ah. Regardez, je l'ai trouvé. Je l'ai trouvé, il est là-haut. Est-ce que Jar Jar peut l'atteindre par contre? Oups, non. Alors, il est là-haut. Le problème, c'est que je me suis coincé, je ne peux plus l'avoir dans ce niveau parce que j'ai... En fait, il aurait fallu que je monte sur le truc avant de le détruire. D'accord. Bon, bah écoutez, on va terminer le niveau. Sauvegarder et quitter, voilà. Argent extrait. Alors ça permet d'avoir de l'argent quand on tue des ennemis. Et c'est vraiment très utile. Vrai Jedi, je l'ai gagné. Alors le mini-kit, ça va être celui du sous-marin, là, qui passe sous Naboo. Et il nous en manque un.
Mais bon, au moins repérer le mini-kit, ça c'est une chose. L'autre chose c'est de savoir comment l'atteindre, et je sais comment l'atteindre en fait, on va recommencer le niveau, vous allez voir. Là, par contre, il va falloir le temps qu'il recharge. Allez, recharge. Voilà. On va rejouer au niveau. Voilà. Ah. Oh, j'ai Yoda, ça. Donc là, alors, je me demande, il faut soit que je... Oh. Bouffer ma grenade! Et la grenade, c'est difficile à utiliser aussi, hein. Ah oui, voilà. Là, je prends Jar Jar. Est-ce que je ne peux pas sauter par-dessus? Je ne peux pas monter dessus, donc... il va falloir qu'on le fasse exploser comme d'habitude. Voilà. Ensuite, il faut qu'on prenne Jar Jar, que l'on monte sur ce machin-là. Et voilà! Alors maintenant, on n'a pas besoin de finir le niveau d'ailleurs. Hein. On peut simplement sauvegarder et quitter. Voilà. Et on gagne, je crois, 50 000 pièces, un truc du genre. Voilà. Bon bah écoutez, écoutez voilà, c'était le deuxième chapitre. J'espère que ça vous a plu, je pense que je vais faire des coupures de toute façon pour éviter que ça soit trop long. Parce que les moments où je galère, c'est pas vraiment les plus intéressants. Donc je vais faire des coupures pour quand ce sera trop long. Et bah voilà, j'espère que vous avez apprécié. Allez à plus, salut.